vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo challenge 3h du matin. Et là vous pouvez très très bien le voir, j'ai commandé des œufs mystère Lego de Chouchou Charles et de Thomas le Train. Oui les gars, vous devez savoir que je les ai commandés sur le site interdit du Dark Web. Et j'ai spécialement attendu l'heure de 3h du matin pour les ouvrir et découvrir tout ça en vidéo les gars. D'autant plus qu'ils ont l'air remplis. Jouez les gars, écoutez ça. Il y aura peut-être aussi des jouets maudits. Ça c'est possible. À l'heure de 3h du matin, tout est possible, tout peut se produire. Et alors écoutez-moi bien, si certains d'entre vous veulent espérer gagner et obtenir les jouets mystères qu'on va retrouver dans ces œufs, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, on s'abonne à la chaîne YouTube et on met un commentaire. L'un d'entre vous sera tiré au sort et sera l'heureux chanceux. Mais pour l'instant, installons la caméra et commençons l'ouverture. Que les choses sérieuses commencent. Oh là 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 là, ça va swinguer. Et je sais même pas par quoi commencer les gars. Thomas le Train, Chouchou Charles, je sais pas. Allez, on fait un pouf pouf. Allez, pouf pouf. Celui que je commence à ouvrir au bout de 3, 1, 2, 3. Oh là 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 là, les gars, on commence par l'œuf mystère de Chouchou Charles. Ah non, mais regardez ça, ça fait peur. Il y a carrément Chouchou Charles en premier plan. Là, c'est bien écrit Chouchou Charles, on peut pas se tromper. Je suis sûr qu'à l'intérieur de cet œuf mystère, on pourrait retrouver plein de jouets maudits. Ah mais les gars, j'ai tout prévu. Regardez, je sortis le couteau, les gars. Allez, moi, je veux l'ouvrir tout de suite. Je suis trop curieux. Je pense qu'on est tous curieux, les gars. Allez, je l'ouvre. C'est parti, un gros coup de couteau dedans. Allez, on va l'ouvrir, on va rien respecter, les gars, je vous le dis. Oh, allez. Hop là, attends, mais. Eh, c'est du costaud, hein. Eh, je vous le dis, c'est du costaud, les gars. Allez. Voilà. Maintenant, on continue à la main. Oh, purée. Allez. Oh, ouais, comme ça. Oh, ouais, c'est bon. Ça y est, j'ai brisé la coquille en deux, les gars, je vous le dis. Ouais. Attendez, regardez. C'est quoi ça? Mais attendez, mais regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Regardez! C'est une main complètement ensanglantée! Ah, une main découpée! Ah là là, je touche pas! Non mais sérieux, les gars! Je mets ça à côté comme ça! La terreur de Chouchou Charles a encore frappé! Ok, oh là là là! Mais regardez, il y a des araignées! Non, il y a des petites araignées partout! Regardez! Ça commence déjà fort! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oh, un camion, un petit camion. Mais en vrai, c'est trop mignon, les gars. Non, mais sérieux, moi, je kiffe ce petit camion rouge. Mais attendez d'abord, quand je réfléchis. On peut retirer la petite grue, voilà, ça, tu le retires. On peut retirer ça aussi, voilà. Et à la place, regardez, on met l'araignée comme ça. On la met juste comme ça. Tiens, c'est bizarre. Ça passe parfaitement. Non mais regardez ça les gars, c'est hyper sérieux hein. Non mais regardez, on croirait vraiment le wagon de Chouchou Charles maintenant. Bah ouais. Hey, on le met ça de côté, voilà, on met ça là, tranquillou, on touche pas. Non, on continue, je crois que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper satisfaisant. Oh ouais, je pourrais m'amuser à le malaxer pendant des heures et des heures. Ouais. Je pourrais y faire de la ASMR, écoutez. Oh ouais, ASMR les gars, oui. Par contre, on en parle, mais les gars, regardez bien. On croirait pas des, comme des petits œufs d'araignée à l'intérieur là. Ça, on dirait vraiment que c'est des petits œufs de Chouchou Charles ça. Oui. Oh là, la dinguerie. Eh, hey, attendez, peut-être faut le percer, non? Peut-être qu'il faut le percer, non, on va pas le percer. Faut pas le percer. Si tous les bébés Chouchou Charles s'échappent de cette poche, alors là, ça va être l'invasion. Ça va être une invasion. On sera tous foutus. Non, je le mets là, je le mets de côté, j'y touche pas. On n'y touche plus, les gars. On continue. Ah, il y a des petites araignées comme ça. J'aime pas, les gars, je vous le dis, les araignées, j'ai un peu la phobie. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Oh, attendez, je veux l'ouvrir. Oh, je n'arrive même pas à l'ouvrir, attendez. Non, ça s'ouvre de ce côté-là. Ok. Oh, mais c'est comme... C'est un joujou araignée. Allez, ça, je vous le dis, je le garde dans ma petite collection de jouets. Ouais, ça sera dans ma boîte à jouets, ça. Je le garde, je trouve ça trop mignon. Regardez ces petites antennes bleues et tout, là. Non, c'est trop mignon. Ouais. Bon, ok, on le garde là. On le garde juste là, les gars. Et les jouets, on les garde sous surveillance. On garde un œil dessus. Parce que je vous le dis, à 3h du matin, les jouets maudits peuvent se réveiller. Et j'ai pas envie qu'il se passe des dingueries. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh, du Skittles.
Oh ouais. Ah ça je valide, tu vois, ça j'aime bien, tu vois. Alors bah dit comme ça, ça voudrait probablement dire que Chouchou Charles se nourrit de Skittles. Je pense qu'en plus ils doivent les dévorer en un seul coup. Bah ouais ouais. Ah bah ça me fait un point commun, parce que moi aussi j'adore les Skittles. Voilà, point commun avec Chouchou Charles. On va l'ouvrir, je veux l'ouvrir, on va se mettre bien les gars. On va se mettre bien. Ah, attendez. Non mais attendez, y'a un problème là, non? Ah, regardez. Il y a des araignées qui sortent du paquet de Skittles. Non. Oh non, bah j'en veux pas. Oh non, mais les gars, il y a des petites araignées comme ça qui sont sorties du paquet. Il y en a plein. Oh non, 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 non. Oh, mais les gars, je vous le dis, les araignées, ça me fait peur, moi. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Non, non, je crois pas. Non, je le crois pas. C'est une blague, regardez. Me dis pas que c'est du caca. Non. Attendez, mais les gars, je peux pas l'ouvrir. Je crois que c'est du caca. Mais les gars, c'est peut-être de l'excrément de Chouchou Charles. C'est peut-être des restes d'excrément. Non, non, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vas-y, je l'ouvre quand même. Je l'ouvre quand même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Aïe. Ah. Les gars, mais c'est du caca. Regardez, c'est du caca de Chouchou Charles. Ah, c'est dégueu. Non, je peux pas. Non mais les gars, c'est vraiment du caca de Chouchou Charles. Mais sérieux les gars, mais attendez, mais quelle idée de récupérer les excréments de Chouchou Charles et de les mettre dans l'œuf mystère. C'est nul. Non, ça c'est le plus pire que ce qu'on a pu découvrir là. Non. Ok, je vous le dis, pour ce qu'on est de Chouchou Charles, c'est terminé, c'est fini et ça finit sur une très très mauvaise note. Allez, tout ça, ça dégage les gars. Allez hop, on enchaîne les gars. Oh non, celui-là ça pourrait être encore pire. Encore pire les gars. Non mais déjà, on l'examine de plus près les gars, regardez tout autour. Mais là, oh là là, je l'avais pas vu ça. Il y a aucun doute, c'est véritablement l'œuf mystère de Thomas Le Train.exe. Ça veut dire qu'il pourrait vraiment vraiment y avoir des jouets maudits. Là c'est sûr, c'est sûr. Ok, je reprends le couteau. C'est parti les gars, on va faire une large entaille de haut en bas et de gauche à droite ou de droite à gauche, voilà comme tu veux. Allez, on commence. Hop là. Oh c'est dur. Oh c'est dur. Oh. Bon, on va mettre des coups de couteau comme ça les gars. Oh les gars, allez. On s'embête pas, on y va, on met des coups de couteau. Voilà, on fait pareil dans tous les côtés. Et vous savez quoi? On met des grosses patates dedans. Voilà, encore. Allez, vas-y. Oh, regardez, j'ai réussi déjà à faire une grosse ouverture là. Eh, vas-y, on continue les gars. On y va, on met des coups de poing. Allez, encore. Oh là, j'ai tout fracassé. Oh, oh là là, j'y étais trop fort. Je crois que j'y étais un petit peu trop fort les gars. Attendez, il y en a de partout, je sais même pas par quoi commencer. Mais là déjà, regardez, je vois quelque chose de chelou. C'est quoi ça? C'est... Non. Ah. Non. Mais les gars, regardez. Un pied découpé, ensanglanté. Non. Là c'est trop. Là c'est trop. C'est quand c'est trop, c'est trop. Ah, tout à l'heure avec Chouchou Charles, c'était la main ensanglantée. Et là c'est le pied. Ah mais là ça veut dire du coup que Thomas Le Train et que Chouchou Charles ont encore fait des terreurs. Non. Oh, ça dégage. Ça dégage les gars. Je veux pas voir ça. C'est dégueu. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on a là d'autre? C'est quoi ça? Oh, mais dis, c'est gouze. Regardez. Hey. Attendez, regardez, ça fait quoi quand je le secoue? Bah, c'est trop bien. Attendez. Attendez, mais en plus, c'est quoi? C'est des bonbons? Je peux l'ouvrir? Ah ouais, je peux l'ouvrir, regardez. On peut le dévisser. Il y a un paquet de bonbons. Oh, regardez. Ah, mais ça, je vous le dis, à mon avis, c'est sûrement les bonbons que Thomas Le Train raffole. Et si je les ouvre, alors là, je pense qu'on va... Ouais, on va les ouvrir. Je vais les ouvrir pour voir. Oh. Oh non, j'en mets partout. Oh non, mais oh ouais, mais regardez. C'est des bonbons en forme de billes, les gars. Ça a l'air trop bon, les gars. Bon, on met ça là, hein. On a... Attendez, le paquet. Le paquet. Ah, le paquet, moi, il m'intéresse. Attendez. Je vais ouvrir le paquet. Attendez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh ouais. Ah bah ça les gars, on pouvait pas passer à côté. Le wagon de Thomas Le Train. Oh ouais, trop stylé. Attendez. Chou. Attendez, bah regardez, si je mets l'araignée, si on met la petite araignée de en dessous comme ça. En dessous c'est mieux. Oh ouais, là ça fait vraiment Spider Thomas Le Train.
Ah, c'est sérieux, les gars. Oh, regardez ça. Oh ouais, mais ça ressemble vraiment, vraiment à Spider Thomas le train, en plus. C'est une dinguerie. Oh ouais, mais les gars, on pose ça là. On garde ça sous surveillance, comme on fait d'habitude. Les gars, on continue, c'est quoi ça? On l'ouvre à la wall again. Oh, c'est cool, ça. Les gars. Oh, attendez, attendez, on dirait que c'est de la pâte. Mais c'est quoi, ce délire? Ouais, on croirait que c'est comme de la pâte, c'est... Bah regardez, les gars, c'est de la pâte rebondissante. Bon, on va tester ça, hein, les gars. Je sais pas si vous avez bien pu voir, mais c'est de la balle rebondissante. Attendez, laissez-moi sortir ça de là. Oh ouais. En tout cas, c'est hyper satisfaisant. Déjà, je trouve ça hyper satisfaisant. On va le mettre en forme de boule. Et on va voir si ça rebondit. Oh ouais, ça rebondit. Attendez, c'est trop bien. Et ça rebondit vraiment, les gars. Oh, c'est trop bien. Moi, je kiffe. Ça, je le garde, ça sera dans ma boîte à jouer. On le met là, on le met à côté, les gars. Ça, c'est quoi, ça? Oh, ça, ça a l'air stylé, ça, les gars. Oh, je sais pas ce que c'est, ça, encore, mais... Oh, ça doit être encore un truc spécial de Thomas le train. Encore, attendez. Comment je l'ouvre? Oh, j'arrive même pas à l'ouvrir. Comment je l'ouvre? Eh, je vais y mettre un coup de couteau. Eh, ça va être réglé. Hop là. C'est bon. Là, je crois que c'est bon, là. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Oh, mais ouais, c'est une petite sucette multicolore. Mais ça je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que Thomas le train en raffole. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, le délire? Bon, oh, mais c'est quoi, le délire, les gars? Oh, eh, on y va au couteau, hein, je vous le dis, c'est... Voilà, hop, 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 on ouvre au couteau. Oh, c'est de la poudre. Attendez, regardez ça. C'est de la poudre bleue. Ça, tu vois, je suis sûr que c'est de la nourriture spéciale pour Thomas le train. Ça, je vous le dis, les gars, ça lui donne toute l'énergie nécessaire. Et c'est pour ça qu'il peut se déplacer aussi rapidement qu'il le veut. Eh ouais, bon, les gars, je remets tout ça dedans. Allez, on met ça à côté. Attends, on continue, je crois qu'il y a encore plein de trucs. Il y a ça. Oh, ça, regardez. C'est comme avec Chouchoucha, mais... Cette fois-ci, ils sont bleus. Ça, les gars, quand ces petits œufs vont éclore, ça va donner des bébés Thomas le train. Oh, c'est trop mignon. Non, mais ça, les gars, je vous le dis, c'est trop mignon. Ça, je vais le garder et je vais le mettre sous incubateur. Et on va adopter des bébés Thomas le train. Oh oui, c'est trop mignon. Ça pourrait être trop mignon, des bébés Thomas le train. Mais oui, oui, les gars, eh, ça, je le garde. Bon, il y a des trucs que je vais garder, il y a des trucs que je veux vous faire gagner. Et là, c'est le bazar, je vous l'accorde, j'en ai mis de partout. C'est juste un carnage. Mais si vous souhaitez gagner des jouets Thomas le train ou des jouets Chouchou Charles, eh ben, faut me le dire dans les commentaires. Faut mettre aussi plein de pouces bleus. Et il faut aussi être abonné à la chaîne YouTube, c'est très, très, très important. Sur ce, je vous souhaite une très très belle chance. Et les gars, oh, oh, attendez, 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 attendez. Mais, chut, oh, les gars, on entend. Oui, 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 j'entends, j'entends, j'entends. Attendez, attendez, j'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, attendez, j'ouvre ma fenêtre, les gars. Ça, les gars, ça s'apparente à du Thomas le train ou du Chouchou Charles, je sais pas, mais on entend les wagons. Attendez, mais c'est sûrement parce qu'on aurait ouvert les œufs mystères de Thomas le train et de Chouchou Charles. Vous voyez toute la nourriture qu'on a déballée? Ça, ça les attire. Ils le sentent et ça a forcément les attiré. Attendez, je ferme la fenêtre. Je sais pas quoi faire là, je crois que je vais m'équiper de mon drone et on va voir ce qui se passe. Ouais, ouais, allez, je prends mon drone, les gars. Là, je prends le drone. Oh, ouais. Et let's go, voyons voir ce qui se passe. C'est parti, let's go. Vas-y, je fais décoller le drone sur ma main. Ouais, préparez-vous au décollage. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Ok, ok. Oh. Ok, c'est parti. Décollage effectué avec succès, les gars. Et maintenant, on va directement se poster à la gare abandonnée juste à côté, les gars. Franchement, j'ai hâte de retrouver Chouchou Charles. J'espère qu'il va pas apercevoir le drone. J'espère juste qu'il va pas savoir que je suis en train de l'espionner. Parce que là, il va être en colère, les gars. Et allez, attends, ok, ça y est. Ça y est, on y est, les gars. Bah oui, on est juste à côté. C'est trop facile. C'est trop facile, les gars. Ok, faut juste quand même rester bien concentré. Alors là, les gars, moi, je le sens bien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ici même qu'on avait retrouvé Chouchou Charles. Et c'est spécialement dans cette petite maisonnette qu'on l'avait retrouvé. Donc, il doit probablement être de nouveau dans cette petite maisonnette, les gars. Et je vais m'y approcher. Ouais, ouais, on va s'approcher, les gars. Attendez, attendez. Alors bon, ça veut peut-être rien dire, mais on a de très, très grandes chances de le retrouver. Attendez, je m'approche. Ouais, ouais, je m'approche. Bon, déjà, par la fenêtre, rien de suspect. Attendez, je fais le tour, les gars. Ouais, ouais, je fais le tour. Ok, ok, on est tout prêt. Les gars, on est tout prêt. Oh non, mais attendez, pourquoi le drone il bug là maintenant? Non, mais pourquoi le drone il bug, les gars? Non.
Quoi? Non, il est là. Oh non, les gars, vite, vite, je remonte le drone. Vite, vite, je remonte le drone, les gars. Non mais attendez, non mais franchement, là, je m'y attendais vraiment. Mais ça m'a quand même surpris. Mais ouais, ça m'a quand même surpris, les gars. Oh non, ok, il est où? Mais je sais plus où est-ce qu'il est. Bon, bah maintenant, en plus de l'avoir vu tout à l'heure, on l'a maintenant retrouvé avec le drone. Il n'y a plus aucun doute, c'est bel et bien l'habitation de Chouchou Charles. Mais moi maintenant, ce que je veux savoir par-dessus tout, c'est de savoir s'il y a la concurrence. Oui, je veux parler de Thomas le train. Oh, puis attendez, là, regardez, il y a une deuxième petite maisonnette. Eh ben oui, 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 il y a une deuxième petite maisonnette. Et imaginez que c'est là où Thomas le train habite. Non, mais là, ça serait ouf. Ça serait ouf, les gars, je vais regarder. Hein? Attendez, je crois que je reçois un appel. Oh non, mais c'est pas le moment de me déranger. Oh, attendez. Quoi? Quoi? Non, c'est pas possible. Non mais, hé, les gars, regardez. Mais regardez-moi ça. Il y a Chouchou Charles qui m'appelle. Mais attends, mais quoi? Mais attends, mais comment c'est possible ça? Mais comment est-ce qu'il a trouvé mon numéro de téléphone déjà? Non mais, les gars, ok, je vais répondre. Vas-y, je vais répondre, c'est pas grave. Allô? Chouchou Charles? Allô, avec ton drone, aide-moi à retrouver Thomas le train. Quoi? Non. Non, ok, ça va, tranquille, tranquille, c'est bon. Mais attends, aide-moi. Ok, aide-moi maintenant. Ok, je vais t'aider. Ouais, je vais t'aider avec mon drone, ok. C'est soit toi, soit Thomas le train. Oh, il a raccroché. Non mais les gars, vous avez entendu ça? C'est soit moi ou soit Thomas le train. Non mais ça veut dire quoi ça? Bon, bah ok, bah je préfère que ce soit quand même Thomas le train, hein. Non, moi je veux pas qu'il me fasse de mal. Mais là maintenant ça devient risqué ce que je suis en train de faire, les gars. Oh non, bon ok, vite. Et où est-ce qu'il peut être? Oh regardez, il y a une deuxième petite maisonnette. Et ouais, mais je vais m'y approcher. Ah ouais, je vais peut-être m'approcher. Ça peut peut-être être la petite cachette de Thomas le train. Bah qui sait, les gars? Ok, on va y aller. Hey, ouais, bah oui, je vais m'approcher, les gars. De toute façon, j'ai rien à perdre. C'est soit moi, soit Thomas le train. Je préfère quand même que ce soit Thomas le train. Oh, je vous avoue, là, je commence à stresser, les gars. Je suis en sueur. Non, mais ouais, hey, vite. Oh, mais regardez, la petite portière est ouverte. Ça sent bon, ça sent bon. Ok. Oh, attends, non. Attends, mais faut pas que le drone y bug encore. Pourquoi est-ce que le drone y bug tout le temps comme ça? Ah bah ça, je crois que ça peut peut-être être à cause des lignes sous tension. Bah oui, c'est là où les trains passent, donc mais attendez, je comprends pas. Mais oh non, je l'ai trouvé. Ok, je l'ai trouvé. Bah ça y est, moi je l'ai trouvé du coup. C'est bon. Ok, je l'ai trouvé. Les gars, mais il est parti où? Non. Ok, je l'ai trouvé, mais je l'ai perdu. Ah, je l'ai perdu de vue. Non. Ok, bon, ça va, déjà, je l'ai trouvé. Non, mais ça va, déjà, je l'ai trouvé. Bon, en tout cas, les gars, je dois bien quand même vous rappeler que je me trouve juste à côté de cette gare abandonnée. Regardez, c'est juste à côté, c'est juste devant, les gars, là. Et je vous avoue, je suis un peu stressé quand même. Il y a Chouchou Charles et il y a Thomas le train juste à côté. Je crois que je vais me cacher. Les gars, je vais me cacher. Ouais, là, je crois que je suis caché. Je me suis caché derrière un banc et je pense que je vais continuer à les espionner. Ouais, je vais continuer, les gars. Attendez. Oh, je les ai vus. Attends, mais c'est moi, il y a course poursuite. Mais ouais, non. Oh, les gars, il y a course poursuite là. Mais ouais, il y avait clairement tu veux faire la poursuite de Thomas le train. Mais je les ai vus là. Mais ouais, on les a vus sous nos yeux, gros. Mais les gars, attendez, je vais m'approcher. Ouais, je vais m'approcher, les gars. C'est ici que ça se passe, les gars, c'est ici. Attendez, je vais m'approcher. Ouais, c'est ici. Ok, on va s'approcher, les gars. Oh, regardez. Oh, non mais ouais. Oh, il y a clairement une méga course poursuite entre Chouchou Charles et Thomas le train, mec. Mais vous avez vu ça sous vos yeux, les gars, ils sont super méga rapides. Non mais attendez, par contre je crains que Thomas le train ait très peur de Chouchou Charles. Mais oui. Bon, je crois que je vais retourner me cacher, moi, les gars. Non, ouais, je vais retourner me cacher, les gars. En tout cas, vous avez bien pu voir que Thomas le train, il est en panique. Mais ouais, c'est clairement Chouchou Charles qui domine, les gars. Mais oui. Mais attendez, on va continuer à observer tout ça avec le drone. Les gars, c'est pas terminé. Je crois que là, on tient à quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, attendez, là maintenant faut vite les retrouver, les gars. Je sais que mon drone n'est pas aussi rapide, mais je suis confiant. Oui, je suis confiant, les gars. J'ai confiance en mon drone. Attendez, faut vite que je les retrouve. Attendez, je crois que j'ai une stratégie, les gars. Ouais, j'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement poster le drone juste à côté de la petite maisonnette de Chouchou Charles. Et à un moment donné, je pense qu'ils vont finir par repasser. Ouais, c'est ce qu'on va faire, les gars. On va pas se prendre la tête. Et voilà, là, je pense qu'on est bien posté, les gars. Et là maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Ouais, on n'a plus qu'à attendre. Mais y a Thomas le train. Mais ouais, mais la course poursuite continue.
continue, les gars. Regardez-moi ça. Et il y a Chou Chou Charl derrière qui le poursuit encore et encore. Mais mec, la course-poursuite continue, mec. C'est un truc de ouf. Là, les gars, c'est un truc de ouf. Bah là, je crois qu'en tout cas, Chou Chou Charl n'aime pas du tout la concurrence. Eh bah non, 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 les gars. Ah, fallait s'en douter. Franchement, fallait s'y en douter. En tout cas, moi, je suis bien, bien déterminé à continuer à suivre la suite des événements. Mais mec, c'est pas croyable. Attendez, les gars, on va continuer à se poster sur cette gare abandonnée et on va continuer à observer cette course-poursuite, mec. Mais comment est-ce que ça peut se terminer, les gars? Attendez, je suis bien, bien curieux. Je suis vraiment bien, bien curieux de savoir comment est-ce que ça va se finir, cette histoire. Mais mec... Regarde, mais ils sont là, gros. Mais ça s'arrête pas. En tout cas, là, on peut très clairement bien remarquer que Chou Chou Charl, c'est le dominant. Et oui, là, pour le coup, ça se voit. C'est clairement son terrain de jeu. Et moi-même, je le ressens alors que je me trouve juste à côté de la gare, les gars. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que Chou Chou Charl, c'est le mâle dominant, les gars. Et ouais, c'est le boss. Bah oui, les gars. Mais attendez, mais maintenant, je vais les retrouver, moi. Non, non, je veux les retrouver. Et puis, attendez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier que Chou Chou Charl est doté de très, très longues pattes. Poilu et velu, les gars. Dites-vous que c'est le seul wagon qui n'a pas besoin de rails pour se déplacer. Bah oui, il s'en fout, lui. Il peut aller où il veut et quand il veut. C'est ça qui fait flipper. Ça veut dire que là, il peut venir carrément jusqu'à moi à tout moment. Mec, je crois que je vais pas rester là plus longtemps, en fait. Bon, maintenant, je crois bien que la course-poursuite s'éternise, les gars. À mon avis, ils sont partis à l'autre bout de la gare. Vous savez quoi, je vais y aller. Oui, oui, je vais y aller. Je sais que je suis pas aussi rapide qu'eux, mais on va y aller tout doucement, les gars. Et oui, attendez, je crois qu'il y a un pont. Je crois que tout au bout, il y a un pont, les gars. On va y aller. Ouais, ouais, on va y aller. On verra bien. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ah, voilà, regardez, c'est de ce pont-là que je voulais vous parler, les gars. Alors, c'est un pont routier. Je sais que normalement, bah, les wagons ne peuvent pas passer sur la route. Mais, comme je vous l'ai dit, Chou Chou Charl, lui, il peut aller où il veut. Et ouais, les gars, c'est un 4x4 tout terrain, quoi. Non, mais attendez. Oh. Mais voilà, mais les gars. Ah, ouais. Les gars, ils viennent de passer sous le pont. Mais attends, mais je comprends pas. Ils viennent de passer sous le pont, la course-poursuite continue, les gars. Mais maintenant, ça veut dire qu'ils se déplacent sur les routes, les gars. Non mais attendez, je veux quand même vous montrer que là, je me trouve juste à côté de la route. Et juste à côté de la route, il y a quoi aussi? Eh ben, il y a la gare abandonnée, les gars. Mais c'est ça qui commence à devenir vraiment, vraiment dangereux. C'est clairement moi qui suis maintenant en danger, les gars. Attendez, en tout cas, je suis curieux, je veux rester là. Je veux continuer à les espionner, moi, les gars. C'est pas terminé, les gars, c'est plein de rebondissements. En tout cas, ce que je peux très clairement remarquer, c'est que je vois que Chou Chou Charl se dirige en gare. Ça veut dire que je crois tout va se terminer à la gare, les gars. Et bah oui, 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 tout va se terminer juste derrière nous, les gars. Et ouais, oh, franchement, je suis trop impatient de voir le combat final. Et vous savez quoi, pour que ce soit vraiment, vraiment intéressant, on va lâcher le drone, les gars. Oui, oui, on va s'arrêter un petit peu avec le drone. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que je me trouve juste à côté des voies ferrées, on va s'approcher. Non, mais oui, on va vraiment, vraiment s'approcher, les gars. Et puis de toute façon, je pense qu'à un moment donné, on va les voir repasser, les gars. Oui, oui, allez, je m'approche, les gars. Ok, regardez, c'est là que ça se passe, les gars. Et oui, c'est bon, il y a une énorme clôture. Mais vas-y, on va essayer de passer, on va essayer de se frayer un petit chemin, les gars. Regardez-moi ça, les gars. Cette gare est complètement abandonnée. Et maintenant, on va rester là, oui, oui. On va rester au pied des voies ferrées. Je vous avoue, hein, je me fais un petit peu agresser par les arbres. En tout cas, depuis tout à l'heure, on l'a tous remarqué, les gars. Il n'y a aucun autre train qui passe ici. L'activité tourne uniquement autour de Thomas le Train et de Chou Chou Charl. Mais, oh, attendez, non, tout là-bas, les gars. Attendez, oh, regardez, regardez, ils s'approchent. Oh, oh là là. Quoi, il y a une confrontation, les gars. Oh non, 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 non. Thomas le Train recule. Oh, regardez, on peut bien voir que c'est Chou Chou Charl qui est dominant. Oh non, mais attendez, ça continue, ça ne s'arrête pas. Bah ouais, ça repart en course poursuite, gros. Ah bah ça y est, ils sont partis. Quoi, ils sont déjà partis très très loin, les gars, ça y est. Bah ça sert à rien que je reste au pied des voies ferrées. Et puis là, je crois que d'ailleurs, ça commence à devenir vraiment vraiment dangereux là. Non, non, non. Et je crois que je vais pas rester là plus longtemps, en fait, les gars. Et là, d'ailleurs, je pense que ça serait beaucoup plus prudent de rentrer tranquillement à la maison. Parce que de toute façon, là, je pense qu'à un moment donné, si je reste trop longtemps ici, ça peut vraiment vraiment devenir trop trop dangereux. Et je pense qu'à un moment donné, Chou Chou Charl pourrait clairement s'en prendre à moi. Et là, non, 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 faudrait vraiment, vraiment pas que ça arrive, ça, d'ailleurs. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais croyez-moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Et oui, oui, je suis bien, bien volontiers de revenir ici et de continuer à enquêter sur la relation de Chou Chou Charl et Thomas le Train. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment très, très intéressant. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'hab. Tant qu'à vous, restez bien, bien connectés, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas déjà encore fait. Et sur ce, on se retrouve très, très vite. Ciao !